Bonjour, 336 artistes du département ouvrent les portes de leurs ateliers ce week-end à l'occasion de l'Art prend l'air, 7e édition qui se déroule dans 70 communes. 70 communes dont Issé, où 4 artistes vont exposer leurs œuvres dans un jardin, le jardin paysager d'Anne et Michel Bouvet. J'ai amené des photos, Anne et Michel, donc, ayant vu les photos, se sont dit « bah oui, ça serait super bien de faire une expo donc, dans le jardin ». Donc quand j'ai fait le tour de l'écrin qu'il y avait ici, faire une expo tout seul, bon, c'était peut-être c'était grand pour un seul petit bonhomme comme moi. Donc j'ai proposé à Anne et Michel, j'ai dit « j'ai des amis qui sont peintres, est-ce qu'on éventuellement on pourrait pas étoffer avec des peintres ?» Et de là, donc moi j'ai contacté Jean-Pierre et Mario, donc qui ont dit « on va étudier ça avec toi, voilà ». Et puis donc c'est parti comme ça. Et puis dessus est venu après se greffer, donc... La seule féminine du groupe, Rosène, elle sera présente ils seront présents d'ailleurs, comme moi-même sur le site, et on pourra donc expliquer chacun donc les offres qui sont présentées. Ça fait nous qui avons été démarchés par les artistes pour ils ont eu l'idée, ils ont visité notre jardin, ils l'ont trouvé sympa. Nous aussi, sans doute, et donc ils nous ont demandé s'ils pouvaient effectivement exposer dans le jardin. Et ce qui pourrait être spécifique dans un week-end comme celui-là, c'est qu'on est vraiment tous les deux au service du cadre qu'on va apporter aux peintres. Et ça, c'est un moment, c'est super. Et puis ça ne se résume pas à la journée du samedi et du dimanche. C'est tout ce qui se fait en ce moment, c'est cette préparation. On s'est déjà vu pour 2 réunions précédemment. Et c'est toute cette émulsion qui est vachement sympa. Ouais. Justement, j'étais même très motivé, de présenter mes œuvres dans une œuvre qui a caractère artistique, si tu veux, que c'est beau jardin, quoi. Donc ça m'a attiré beaucoup cette idée de faire quelque chose ici. Aussi parce qu'il y a un thème, il y a quelque chose qui me tourne beaucoup dans la tête, cette idée de qu'on est dans un contenu, dans quelque chose, mais nous, en même temps, nous contenons autre chose. Par exemple, on est contenu dans l'univers, le macrocosmos, comme on dit, mais nous, on contient un autre univers, c'est le microcosmos. Alors, on va trouver un peu cette idée-là dans certains aspects de ce que je présente. Cette idée de contenu et contenance. Et aussi, ça m'a attiré aussi l'idée de suggérer dans certains œuvres l'idée que l'homme fait partie de la nature. Parce que normalement, l'homme se place à l'extérieur de la nature. On dit « j'aime la nature ». Mais en fait, l'homme, ça fait partie de la nature, on est des animaux. Les peintres Jean-Pierre Pinault et Rosène Evin, le plasticien Mario Marti et le photographe Daniel Roussel exposent donc samedi et dimanche au jardin paysager d'Anne et Michel Bouvet à Issé, entrée libre de 10h à 19h.